Je ne Bonjour sais à plus. tous, c'est moi. Bonjour. Bonjour, Bonjour. c'est Monsieur Charles. On se retrouve pour la suite de We Were Here Forever. Je suis bien sûr toujours en compagnie de mon cher et tendre Exote. Étendre. Ouais, Étendre, pardon. s'il vous plaît. Tu es très très tendre. Tu as la chair Je très suis tendre. très tendre. Et oui. Bonsoir à tous. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, bah, comme je viens de le dire, pour terminer. Enfin, je sais pas si on aura le temps de le terminer, parce que d'ailleurs, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, Il n'a pas beaucoup de temps. on a à peu près 1 heure pour terminer le jeu. Eh ben, on va courir très vite. On va speedrun. Et du coup, ouais, on va continuer ça. Que dire de plus? Je sais pas, t'as envie de dire quelque Alors, chose? non, Enfin, rien de dites-moi plus. peut-être. Je t'invite. J'ai lancé une invitation. As-tu accepté l'invitation? J'ai accepté l'invitation. Oh. Ah oui, on va s'entendre en double. C'est très Je désagréable. mute la session. Oui. Très bien. Moi, je ne sais pas comment on fait, alors on va dire que j'ai fait Il y a un pareil. bouton Attends. en bas à gauche, à côté de fête. Ah oui, vous voyez pas à cause de la tête de l'exote? Bouge ta tête, l'exote. Voilà, marqué fête ici, au lieu de party comme bah, Party pour mute le groupe. session. Oui, très bien. Ready! I'm ready! Ah oui, j'étais mis prêt, il m'a pas mis prêt après. Alors, hop. Le jeu se lance ou pas? Ah oui, c'est bon. Bon, j'étais en train d'essayer de faire un truc, je n'y arrive pas, je ferai plus tard. J'étais en train d'essayer d'acheter des composants pour remplacer un joystick. Car c'est. Alors, où est-ce qu'on était? Ah oui, on était dans le froid. Parce qu'on avait réussi à s'échapper. On avait déjà Yes, plus ou moins fini le jeu. laisse-moi juste baisser légèrement le son du jeu, parce que sinon tu es un peu faible, je pense, par rapport au son du jeu. Voilà. Bah c'est parti, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comment déjà? J'ai oublié comment on fait les... Ah oui, c'est comme ça. C'est toi, c'est Oh toi. non! Oh non, attention, il y a un côté un peu Troisième Reich. Comme ça, tu veux dire? Si je réponds... Regarde dans le ciel, les nuages. Ah, c'est de mauvais coups. C'est loin? Ouais, c'est loin, hein. Un vrai petit marathon? On peut pas courir en plus, si? Non. Je ne sais pas si ça aide vraiment ce que tu fais. Je sais pas, mais je me sens mieux en le faisant en tout cas. Très Tu bien. devrais essayer. Ah, t'as vu, il y a une tour. C'est là qu'on va, je crois. Je crois aussi. Étant donné que c'est juste en face. Ah, les problèmes. Let's go. Alors... Alors, bah, une entrée, écoute. Une Bonjour. entrée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Une couronne éclairée en rouge. Avec des bonhommes qui n'ont plus de tête. Et de l'autre côté, il y a autre chose. Ah, Ah, il y a des ah! mécanismes. Donc, Show ah, me you understand t'es où? our pain and sorrow. J'ai Show appuyé me sur you une are gargouille, one enfin une statuette of de us. D'accord. hibou ou de chouette sur le Ça a truc et allumé je me le suis grand retrouvé. hibou. Je me suis retrouvé de l'autre côté. Who are the D'accord. ones Du Moi j'ai une mur. porte qui s'est ouverte. Ah, j'ai des têtes. Who On a des let mannequins us sans tête. À mon back avis, il faut mettre. astray? Oui, il faut mettre les têtes sur les mannequins sans tête. Ah, je peux te les passer parce que j'ai un truc ici, je pense, pour te les On peut passer. courir. Je sais pas où t'es. Je suis dans une pièce en fait. Moi je suis passé Moi à je suis l'intérieur. Ah, toujours je te ici. Ah, je te vois! vois là. Tu Bonjour. vois, j'ai des têtes Tu peux me les ici qui passer par correspondent où? à des personnages. Bah, par là, j'ai une statue qui manque une tête et j'ai un levier. Vas-y. Tu vois?
Attends. Allez, refais. Non, refais. Ok, donc tu peux mettre des têtes dessus, oui. Ouais. Donc, ah, j'ai des livres. Pourquoi je peux pas tourner les pages? Ah, parce que... Ah, le truc relou, non, c'est parce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça, à l'intérieur, si moi je peux rentrer. Attends, quoi? QD pour tourner la page. QD. T'es en clavier. Ah putain, vas-y, ok, j'y étais pas. J'arrivais pas à tourner les pages du bouquin. Bravo! Ok, donc j'ai des pages qui décrivent les personnages, je pense. Enfin, je pense, je suis sûr. Comment on fait, c'est quoi maintenant? J'ai la torche. Je sais plus. Merde. Parce que là, je vois plus rien. R. Ah ouais. Enfin, je vois plus rien. En vrai, je vois, mais voilà. J'ai trois bouquins. Bartholoméus, le roi. Ok. Par contre, je sais pas du tout qui il faut que je te passe. Hein. Bah, il y a le roi. Moi, c'est en tout cas, c'est un roi et un conseiller là que j'ai. Un roi et un conseiller. Ok. Alors je regarde. Ça. Il faut que je trouve le roi et son conseiller. Bartholoméus, le roi, gardien de Castle Rock, pardon, et monarque du royaume. Ses décrets affectent tous les habitants de Rockbury, pour le meilleur et pour le pire, en raison de son passé tumultueux. Sa pire crainte est de perdre son pouvoir ou son héritage. Les conséquences de ses décisions ont fait de lui un homme changé. Ok. Ambrosius, le grand alchimiste. Le grand chimiste. T'as pas des traits physiques Bah en fait ils sont habillés pareil les deux. Et que la position, il y en a un qui est assis sur un trône et qui penche la tête et l'autre qui lui parle dans l'oreille. Donc c'est tout ce que j'ai comme. J'ai Christian, le garde du roi, le gardien farouchement loyal du roi, ne parle jamais, même le roi prête. Mais le roi prête toujours l'oreille à ses conseils. Ah bah ça doit être ça alors. Voilà. Personne ne sait à quoi il ressemble sous son armure, sauf le roi. Le protège même la nuit quand le roi dort. Ok, bah je vais te filer, je vais essayer de trouver les deux. Alors, on a dit Bartholoméus, donc il a une barbe, ça doit être lui. Ouais, ça semble assez évident que ce soit lui. Pourquoi je ne peux pas le ramasser? Ah si, c'est bon, je peux le ramasser. Ah, j'ai un truc. Ah, c'est rigolo, je peux le refaire parler. Ah! J'ai la tête là, tu m'as envoyé une tête hein? Ouais. Ok, j'ai mis la tête. En plus c'est le roi. Ouais, j'ai mis sur la tête. C'était du roi. C'était assez évident. Il faut que je trouve la tête de Christian. Clavier, lol. Oh, MDR! Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'adore les films comédies françaises racistes, je kiffe. Pardon. C'est bon? T'as la tête? Oui. I refer to he who sacrificed his realm and the deceitful snake who talked him into it. Hello Gaspard. Hello Gaspard. Who are the ones that betray? Peut-être que tu me rendes la tête du coup. Who let us rock barriers? Je pense que du coup c'est pas Christian, ça doit pas être lui. Mais oui, il a dit qui est le serpent qui a fait s'effondrer, je sais pas quoi, donc c'est plutôt un traître alors. Ouais, c'est un traître qui parlait au roi, mais du coup c'est pas lui. Alors on a la reine, elle avait autrefois un visage royal, aussi beau, machin. Elle connaissait les infidèles de son mari, mais elle les tolérait consciencieusement, elle a dû supporter la mort de deux de ses fils. Jean, le prince héritier. Un noble prince qui aurait fait un grand roi, il est mort au combat. Ok, fille aînée du roi. Elle a perdu son mari Valdemar au combat, ce dont elle accuse le roi. Son chagrin l'a conduite à disparaître dans les bois. Ouais. Au fond de la cour, un conseiller du roi, un magouilleur et un filou. Certains disent que c'est un fou, d'autres prétendent que son intelligence est sans égale. Son ambition lui a valu la confiance du roi. Ils sont inséparables. Quel secret chuchote-t-il à l'oreille de notre seigneur? Évidemment. C'est lui. It is him. Il faut que j'aille remplacer la teuté.
C'est un classique, le fou qui chuchote à l'oreille du roi. Bien sûr. Correct. His royal majesty wasted his own lands and people to pursue a terrible ambition. His jester whispered into his ear. Ah, c'est le jester. Ah, mais je peux mettre la lumière. Ah bah ouais, c'est mieux comme ça. Ah, alors maintenant j'ai d'autres têtes. Alors, il y en a un, on dirait qu'il est en prison. Et l'autre qui construit un mur. Un maçon. À moins qu'il ok. Les... D'accord. Eh ben, cherchons... j'ai pas vu un personnage en prison tout à l'heure. Hein. Alors j'ai une princesse qui a été envoyée dans un monastère. Bon, peut-être. Ouais. Mais... Je sais pas si c'est une prison vraiment où il est, mais ça ressemble à une prison. Mais il y a plein d'engrenages à côté. Donc c'est peut-être un quelqu'un qui garde quelque chose. Je sais pas. Dans le sens Brutus, le directeur de la prison. Guerrier impitoyable et cinglant, il ne connaît aucune pitié, autrefois grand guerrier dans l'armée du roi, jusqu'à ce que la bataille lui arrache son bras de bouclier. Il garde toutes les clés de Castle Rock. Mais ça doit être ça. Il passe ses journées dans les profondeurs du donjon à torturer des prisonniers pour obtenir des confessions spontanées. Ça ressemble bien, hein. C'est lui. Non, ça y est, une couronne, il a pas de couronne, lui. Ça y ressemble un peu, quand même. Yo, Parasoul. Hello Parasoul. Non, c'est plutôt lui, on, je pense. On joue avec des têtes. C'est notre passion du moment. Tiens, bon, bah, ça c'est Brutus, le gardien de la prison. Et l'autre, tu m'as dit, c'est quoi? L'autre, c'est un maçon. Un maçon. Alors vraiment, il construit un mur avec une truelle. Là, j'ai un alchimiste, ça doit pas être ça. J'ai regardé dans le dernier bouquin. Alors, on a l'horlogerie. Ah, t'avais dit qu'il y avait des engrenages aussi. Pourquoi pas l'horlogerie, hein? Ouais, c'est vrai. Après, il dit... Enfin, en gros, la scène, c'est... Il y a un maçon à gauche en train de construire un mur. Mm-hmm. Au milieu, il y a un bonhomme qui est collé à une porte qui ressemble à une porte de prison avec plein d'engrenages à côté. Et de l'autre côté de cette porte-là, ce qui est collé à un mur un peu, il y a un garde, mais lui, il a déjà une tête. Ok. Donc pour moi, c'est qu'il est en prison, parce que c'est pour ça qu'ils ont mis le garde de l'autre côté. Et du coup, c'est peut-être pas Brutus, alors. Mais je suis pas sûr. Chef de la famille des horlogers, il a conçu la tour de l'horloge de la chapelle. Il a suivi un apprentissage auprès de la famille Slootmaker pour apprendre à fabriquer des engins complexes qui confondent et dissimulent. Il aime fabriquer des boîtes à puzzle et regarder les gens les résoudre. J'ai Il Glasbeu, machin truc. Chef du clan des Glasbeauer. Lower, ils sont des vifs, miroir, machin. Il aime orienter les planètes, donc elle, c'est plutôt une astronome. Keeps up the king and his cold, je comprends pas bien ce qu'ils veulent dire. De la famille maçon, Mason. Personne ne connaît mieux la maçonnerie et la construction sans âge. Alors, donc elle, est-ce qu'elle est sa tête? C'est un truc comme ça, avec un chapeau à la con. Je crois que je l'ai vu. Des étagères de tête. Je trouve ça trop drôle. C'est ça? Non, c'est. Si, c'est ça, c'est elle. Tiens, essaye ça. Give me the head. Yes. Ah, ça doit pas être lui le garde. Who possesses the skill to construct shelters against snow and ice? And who can create hidden mechanisms? Ah bah non, c'était ce que j'avais dit, c'est l'horloger. Rends-moi Brutus, c'est l'horloger. Je te rends Brutus. L'horloger, c'est lui, je crois. Ouais, c'est lui. Je te rends Brutus. Ouais, je peux les mettre où je veux, ok. Ils ont le même chapeau avec le maçon, c'est drôle. Ouais, bah en fait, il y a un livre où ils ont tous ce chapeau-là. Il y a 4 personnages qui ont tous ce chapeau. Alors. C'est ça du coup. Ouais, c'est ça, ils ont construit des maisons pour nous protéger de l'hiver qui ne s'arrêtait jamais. Les horlogers ont fait des... Ah, c'est... l'horloger il a construit des trucs pour se cacher du roi. Alors il me faut un astronome. Ah.
astronome, je l'ai, il est là-bas. Et l'autre, c'est... je sais pas si... En plus, il dit des trucs, il faut qu'on l'écoute, hein, parce qu'il dit des choses, il donne des indices hyper intéressants. Mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre parce qu'il dit. Donc ça, c'est l'astronome. Ouais. L'autre, il est sur un espèce de tableau, il construit, j'arrive pas bien à voir, je peux pas zoomer. Tu peux pas refaire le... truc avec des lentilles, si je peux le refaire parler. Des trucs avec des lentilles, je sais pas trop. Attends. On dirait une lampe, peut-être, je sais pas trop. En gros, le gars il est en train de construire un gros mécanisme avec plusieurs lentilles les unes et suite des autres, mais je sais pas trop ce que c'est. On n'aurait pas eu déjà l'horloger, je l'aurais mis là, mais c'est pas ça. Il a une règle en bois dans la main et il est sur un tableau avec plein de papiers qui sont... Je me sens bien l'alchimiste sur celui-là. Peut-être. Ouais, parce que les autres, je vois pas trop. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'alchimiste ? Le scientifique en chef du royaume, il étudie les arcanes, l'ancien et le mystérieux. Moi, ça, je trouve que ça va bien avec la description que le ouais, mec a fait. Ouais, c'est ça, audio. Il dit c'est un côté ancien chemin. Je sais pas ouais, ça doit être ça, c'est ça. Vas-y, go. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, en fait. Mais c'est sûr, en fait. Non, c'est pas ça. Ah. C'est la destination, ils disent. C'est un aventurier plus. Ancient Path to Salvation. Ah non, c'est pas ça. Attends, Ancient Path to Salvation. Le premier, c'est bon. Si c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est bon. Forges the Ancient Way through Night. Ah, attends. J'ai God de Vert, l'abbé, l'autorité, la couronne, machin, en matière de foi et de rituel religieux, il est obsédé par les cieux et ceux qui se trouvent au-delà, priant et chantant avec dévotion, cherchant la vérité, le pouvoir, pourquoi ça pas. Ça peut-être, je sais pas, on peut le tenter, hein. On peut le tenter. De toute façon, sinon, je ne vois pas trop qui ça peut être d'autre. Après, j'ai un autre mec avec un chapeau bizarre, là. Mais ça dit quoi? Le chef de la famille des Bronze Casters était autrefois l'armurier de l'armée du roi jusqu'à ce qu'il en ait assez de la guerre. Il se concentre aujourd'hui sur le moulage d'objets ornés et complexes. Il a maîtrisé les anciennes techniques de c'est moulage ça. En étudiant les forges découvertes ça, dans les temps anciens. Tu penses que c'est ça? Ouais, c'est ça, les forges et tout, il dit ça depuis tout à l'heure. Les forges okay. Des temps anciens, machin, ça marche. C'est ça. Hop. Où est-ce qu'il est, lui? Je le vois pas. Ah, il est là. Moi ta tête. Et alors ce qui serait un indice intéressant d'ailleurs c'est de savoir effectivement si j'ai l'impression qu'en fait les têtes ne vont que dans les mêmes livres en fait. Oui. Donc là c'était normal que ce soit tous ceux du même livre. Chercher un moyen de s'échapper. Déplacer dans la neige. Enfin à travers l'hiver en utilisant les lunes et les étoiles. The Fire King until his reign ends. Alors, j'ai deux trucs. J'en ai un qui fait brûler ou qui cache un livre dans un coffre qui est caché derrière un tableau avec la tête du général que tu m'as donné tout à l'heure. C'est peut-être lui. Et sinon, il y en a un autre qui a sa main sur une pierre et il est à genoux avec la main avec une main sur la pierre comme s'il allait se la faire couper. Sauf qu'il a un poignard dans le dos en mode traître. Ok, parce que tu disais il y en a un avec la même tête du général que je t'ai montré tout à l'heure. Est-ce qu'il a pas une couronne sur la tête? Parce que j'ai un. Il y a Jean le prince héritier qui a un visage qui enfin un casque qui ressemble beaucoup à l'autre de tout à l'heure, mais ouais, en plus ça, il a une couronne. Il a une couronne, oui, c'est ça. Donc ça, c'est un personnage qui a déjà sa tête, du coup. Non, il a pas sa tête, lui. Mais par contre, il a déjà... Mais comment tu vois, du coup, la couronne et le casque de lion? Parce qu'en fait, il y a un tableau de lui. Ah, d'accord. Et je sais pas s'ils ont volé un truc au roi,
ou s'il est en train de cacher un truc dans le coffre du roi. L'un des deux. C'est le dernier d'ailleurs, hein. Le dernier tableau. Ok. Bah du coup, ouais, alors si on part du principe qu'ils sont tous dans le même bouquin. Rockberry's Unlikely Friends. Donc c'est les ennemis de Rockberry. Et ceux qui défient le roi. Les ennemis de Rockberry, ceux qui défient le roi. Donc en effet, il y a un traître qui se prépare à tuer un... Parce que le prince héritier, Jean, celui avec le casque de lion, il est mort au combat. C'est pas spécialement un traître. Par contre, il y a... Alors, la princesse Emilia, qui est la fille aînée du roi Bartholoméus, elle a perdu son mari au combat et elle accuse le roi, en fait. Et son chagrin l'a conduite à disparaître dans les bois pendant des jours. Ses vêtements sont couverts de boue et de crasse lorsqu'elle revient. T'as pas un personnage qui est sale ? Non, c'est pas ça. Ok. Et sinon, j'ai Catherine, la princesse. Il y a des embuscades dans la forêt, un truc comme ça. Ah, j'ai rien de tout ça. J'ai la princesse, fille cadette du roi Bartholoméus. Elle est indisciplinée depuis l'enfance, défiant et sociable, affichant toujours un comportement indigne d'une princesse. Elle a été envoyée au monastère pour apprendre les vertus de la modestie et de la décence. Non. Et puis sinon, sur ce livre-là, j'ai aussi la reine. Elle avait autrefois un visage royal aussi beau que les étoiles. Elle connaissait les infidélités de son mari, mais elle est tolérée consciencieusement. Elle a dû supporter la mort de deux fils et d'une fille. Chagrin et la perte de ses enfants l'a rendue muette et catatonique. Non plus. Sinon, j'ai Ambrosius, le grand alchimiste. Il a rejeté le bouffon comme un fou, mais craint secrètement sa suprême intelligence. Il a supervisé les expériences dans la spire alchimiste. Mmh. Il étudie les arcanes, l'ancien. Non, c'est pas ça. Brutus, on l'a déjà utilisé, lui. Oui, mais pas sur ça. Redis-moi, Brutus, ce qu'il a fait. Guerrier impitoyable et cinglant, Non, je crois que c'était pas ça, Brutus. Je l'ai toujours, Brutus. Oui, on l'a toujours, c'est pour ça que je... Autrefois grand guerrier dans l'armée du roi, jusqu'à ce que la bataille lui arrache son bras de bouclier, il garde toutes les clés de Castle Rock, il passe ses journées dans les profondeurs du donjon à torturer des prisonniers pour obtenir des confessions spontanées. Non. Christian, le gardien du roi, le gardien farouchement loyal du roi, ne parle jamais, mais le roi prête toujours l'oreille à ses conseils. J'ai Godever l'abbé, qui est obsédé par les cieux, se trouve tout ce qui se trouve au-delà, priant et chantant avec dévotion. Non. Il a pris la princesse Catherine comme pupille pour essayer de lui enseigner la chasteté. C'est tout ce que j'ai. Non, tu dois avoir d'autres gens. Non. C'est trop étrange. On a fait les 4 de l'autre livre. Alors attends, j'ai peut-être raté un livre, mais je crois pas. Je te redis ce que j'ai. Il y en a un qui est en embuscade derrière un rocher avec un poignard prêt à tuer un garde. Le garde est en entier avec sa tête, lui. Il y en a un autre qui est en train soit de poser, soit de voler un livre qui est caché derrière le portrait du roi. Donc c'est les deux sont censés être les ennemis du roi. Mais dans ceux que tu m'as dit, il n'y en a aucun qui a l'air d'être vraiment un ennemi au point de tuer des gens avec un poignard, quoi. En mode rebelle de ouf. Il n'y a aucun qui est un voleur ou qui est un... Je sais pas. Hein. J'ai l'impression de rater un truc. Ah, j'avoue que celui-là. Ah, je te vois. Tu me vois plus. Non. C'est qui celui-là? J'en ai pas raté là. Alors, on les a tous fait ici. J'ai pas raté un bouquin. Si j'ai raté un bouquin. Je me flingue. Non, je crois pas. Je crois que t'as raté un bouquin. Mais ça se trouve, faut qu'on déduise qui du coup était le plus contre le roi au point de tuer.
Bah ouais. Après, tu sais, il y a des. Je crois que les têtes, elles disent des choses, non? Quand je te les donne, on peut tenter Ouais, à la de voir ce limite, qu'elles disent. vas-y. Moi, je sais pas, Donne-moi. la princesse, je la sens bien. La princesse qui est cachotière et tout, un peu là. Vas-y, donne la Je me princesse. dis, où est-ce qu'elle est? La princesse sale. Où Est-ce que c'est est-ce elle qui fait des qu'elle est? embuscades dans la forêt? Alors, je la voyais peut-être pas pour les embuscades, mais pour l'autre, celle qui cachait un bouquin. Oui, Qui a peut-être. un bouquin. Qui connaît l'emplacement secret du roi. C'est elle. Elle. I will hide the book of gold, elle a dit. Putain. Ok. Et l'autre, qui est-ce que ça pourrait être? Bah, on pourrait tenter l'autre princesse, qui avait l'air assez défiante aussi, qui en veut au roi parce que Ouais. son mari est mort. Ouais, vas-y. C'est elle. Comme ça, en plus, ça serait logique, tu vois, les deux princesses. C'est vrai. À cause elle, hein. I know fight. Ouais, c'est elle. C'est elle? Ouais, elle a dit je ne serai plus une victime, maintenant je vais me battre dans les bois. Oh là 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 là! Bravo! Ah, ce sont les filles du roi qui se sont rebellées contre lui. Ah, elles voulaient défaire les crimes de leur père. J'ai le texte aussi. Toi aussi, tu l'as, pardon. Je traduis pour les viewers. Bah, j'ai le texte en français. Ah bah, moi, pas moi. Je ferme ma grande gueule alors. Il faut qu'on aille où maintenant? Je sais pas, je suis rentré avec toi, mais. Bah, je crois. Moi, j'ai pas d'autre issue. Pas là, T'as plutôt, pas eu non? d'autre. Ok, si t'as pas eu d'autre issue, c'est de ta côté. You're a friend? C'était une cul-de-sac. Qu'est-ce que c'est? Y'a un truc qui a bougé. Ah, ça. Oh, il ouvre ses ailes! Oh, il se casse! Oh! Passe dans sa bite? Non, mais attends, parce que je pense qu'il esquive. Ah, oui, d'accord, ok. You are a friend. Enter. Oh! Où suis-je? Ah bah! Bienvenue au confessionnal. Mon fils, je vous écoute. Confessez vos plus grands péchés. Confessez-vous. Ben, une fois, j'ai mangé. Non, je sais pas. Vous pouvez passer. C'est suffisant. Une fois j'ai mangé. Une fois j'ai mangé. C'est déjà trop. Ah, il y a plein de signes par terre là sur le tapis. Ah, oh, ça, un bras. C'est. Ah, mais c'est les personnages d'avant, non? On J'ai dirait. trouvé un bras. Ah, ouais. Il y en a un qui l'a oublié. Dommage. Music will guide On you dirait home. Une scène. Écrit Music will guide you home. Un truc avec la musique. Là, ici aussi, ouais. Donc là, il y a des petits trucs, bon, je sais pas ce qu'on peut faire avec. J'ai vu qu'il y avait un levier ici, là. Music will guide you home. On peut interagir avec okay. ça. On Derrière, peut... peut-être. Ah, je crois qu'on peut monter là-dessus, là. Il y a une plateforme, je peux te faire monter quelque part. Oh, où ça? Au centre de la pièce. Là. Ouais, si tu montes ici, là. Je monte où? Là, là. Oui, vas-y. Ok. Oh, c'est haut! Fais-moi descendre! Ok. Non! Non! Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que t'allais me laisser. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je fais le tour. J'ai un truc ici avec des lunettes. Y a rien d'intéressant. Dans le fond là-bas. Rien. Ouais, il faut probablement qu'on fasse de la musique, hein. Oui, j'imagine. Là, j'ai rien, j'ai plein de livres. Ah, une petite salle. Ah. J'ai activé un levier. J'ai entendu, mais j'ai pas vu ce que ça a fait. Ça a pas fait grand-chose, j'ai l'impression. When all those present are seated properly, the ceremony will commence. Donc il va falloir asseoir les gens proprement pour que la cérémonie commence. J'ai des têtes! Ah.
Il a des têtes. Alors, je peux pas prendre les têtes. Mais je vois à quel symbole correspondent quelles têtes. Ok. Là, par exemple, j'ai le seau qui verse un truc par terre. Ah, attends. Non, je peux pas. Non, je peux rien faire avec ça. Alors, le levier, ça a ouvert des ça a ouvert une salle, il y a des mannequins. Il faut que j'assoie les mannequins à la place. C'est ça. Alors, je vais te donner les signes. Du coup, j'ai le signe avec... Alors, si dans les mannequins, tu peux prendre genre l'AB. Déjà, je peux tricher parce qu'il y en a un qui a pas de bras. Oui, voilà. Donc c'est forcément celui qui est à la place où il y a un bras manquant. Probablement. Bon, en plus, oui, je le reconnais parce que c'était celui des engrenages de tout à l'heure. Mais de toute façon, je reconnais certains, je peux retrouver, je pense. Très bien. Mais alors, le seau qui verse des trucs, c'est un abbé mâle. Un homme. Un abbé mâle. Non mais les abbés justement, tu sais, c'est les trucs dont je te parlais tout à l'heure, c'est... Oui, je n'ai pas plus d'informations que ça, parce que j'ai juste... Je me souviens plus, c'est laquelle... Il a un book, ok, je crois qu'elle est là. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est la maçon. Ouais. Donc lui... Ah oui, lui c'est le forgeron, ouais. C'est bronze caster, je sais pas quoi là. Ok, et donc l'autre, c'est la dernière. Tu les as toutes ? C'était l'astronome, je crois. L'astronome, et oui, ça fait un peu comme ça. C'est quoi ça? C'est pas du tout une longue vue, mais c'est pas grave. Moi j'ai un truc avec un, je sais pas comment dire, une goutte, une grande goutte, ouais, c'est ça, ou une fiole un peu, ouais, une fiole. C'est un abbé, mais une fille avec les cheveux, ouais, c'est ce que j'ai mis, ouais, voilà, parce que je suis trop fort, ouais, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai un autre forgeron là. Il y a deux possibles, soit il y a un homme avec une banane d'Elvis et un monocle. Ouais, je l'ai. Ok. Il y en aura un autre forgeron quelque part après. Ouais. Qui devrait être une fille avec un ruban vert. Qui est assise juste derrière. Un chapeau vert plutôt. Ah non. Non. Ruban vert dans les cheveux, un nœud papillon. Ouais, ok, c'est elle. Ça, c'est tous les forgerons. Ok. Ensuite... Dans la fiole, il y en a un autre. Il y a une dame avec un chignon. Ok. Qui est assis à droite du roi, du coup. Ensuite, j'ai deux autres personnes qui devaient être assis sur un truc blanc, mais j'ai pas de signe. Oh. Attends, parce que j'ai pas vu, j'ai du texte. Code de conduite. Les hommes et les femmes ne peuvent pas s'asseoir sur le même banc. Ne vous asseyez que dans les espaces que votre guilde a payés. Nous avons besoin d'oreilles partout, ne vous essayez jamais derrière ou devant un autre membre de la résistance. Oh putain. Et alors là, j'ai des trucs. Ok. Je sais pas quels sont les gens de la résistance. Moi non plus, je suis pas sûr de savoir en tout cas. Ok, vas-y, ensuite. Au pire, je les replacerai après. Après, en fait, j'ai deux autres mannequins, mais j'ai pas de signes comme les autres. D'accord. Je sais pas si c'est qu'ils ont pas de guilde ou un truc comme ça. Je sais pas. Possible. Moi j'ai deux personnes avec des chapeaux verts. Non, moi c'est un avec un chapeau gris-blanc, plutôt un chapeau de forme. Un bouc. Et une moustache. Ouais. Ouais. Et t'en as pas un avec une calvitie et un monocle? Exactement. Voilà, c'est juste ces deux-là. Là. Je ne sais pas ce qu'ils représentent. Donc les autres, après, c'est quoi? Faut deviner, quoi. Tu ne sais pas ce qu'ils représentent. Je vais voir, mais si j'ai pas d'autres infos ailleurs. Alors déjà, là, c'est bon. Premier rang, je pense que c'est bon, parce que j'ai les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mm-hmm. Ils sont à leur place. Mais après, le reste, ça va être par élimination aussi. Ouais, je pense que c'est ça. On va pas avoir beaucoup le choix. Alors, j'ai un truc aussi là qui m'affiche. J'ai des symboles avec les guildes et tout. Mais. Et parfois en rouge, mais je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire.
Ah, d'accord. En fait, c'est ce symbole-là, la résistance. Mais alors, comment je sais si un personnage est de la résistance ou pas? C'est écrit sur le mannequin, peut-être. Il y a un mannequin, ils ont une marque. Bah, je vois qu'il y a des. J'ai aussi un tableau avec les différents symboles de guilde. Et il y a le symbole de la résistance. Et le symbole de guilde est soit en rouge, soit en bleu, soit en jaune, soit en vert. Donc j'aurais envie de dire peut-être que ça veut dire les maçons, c'est la résistance, parce qu'ils sont en rouge. Ça paraît bizarre. C'est Qu'ils juste soient ça. tous la résistance, c'est chelou. Et sans ça dit quoi? C'est jamais derrière ou devant un autre membre de la résistance. Il y a marqué quoi, tu Ah m'as dit, oui, pour la c'est-à-dire que les résistance? membres de la résistance doivent pas être côte à côte, quoi. Ouais. Enfin, ils Enfin, peuvent ils être côte doivent à pas être, côte. ils peuvent être côte à côte, mais ils doivent pas être devant ou derrière l'un à l'autre. T'arrives à les reconnaître, les membres de la résistance, ou pas? Bah, je suis en train Oh. de me poser la question parce que je vois qu'ils ont pas de symbole particulier. Ah, attends, est-ce que c'est. Non, c'est pas ça. C'est tout ce truc-là. Ah, oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai Danse pris avec où? elle là. Ça doit Je ne être les sais pas mannequins qui ont comment un truc, savoir. mais Ouais. S'ils sont de la moi j'ai résistance ou rien. pas, je regarde. Non, je vois rien. Bah écoute, on va tenter de les mettre en respectant les autres règles. Ouais. Hommes et femmes passent sur le même banc. Et puis après, la résistance, bah on verra. Hein. Ah, de ce qu'on sait de l'histoire qu'on a fait juste avant, dans la résistance, il y avait les deux princesses là. Ouais, mais elles sont pas là de toute façon. Elles sont pas là? Mince. Enfin, je pense pas, ou alors c'est les deux femmes là, mais ça paraît très bizarre, elles ont des chapeaux verts, elles ressemblaient pas à ça. Ouais, c'est chelou. Alors attends, parce que là j'ai des trucs aussi, j'ai des têtes. J'ai des têtes. Ah, toi aussi, t'as des têtes? J'ai des têtes, et en fait je me demande si j'ai des têtes avec les rois, tu vois, il y a le roi et la reine, et il y a une tête avec Ouais. une rousse et un chapeau vert, et du coup je me demande si ça veut pas dire que mon mannequin avec la rousse et le chapeau vert, c'est peut-être une princesse. Bah, peut-être bien. En tout cas, le roi, tu peux le Ah bah non, placer. j'ai encore une rousse avec un chapeau vert de l'autre côté aussi. Donc Ah. c'est mort. Mais le roi, tu peux le placer en tout cas, non? Mais j'ai pas le roi. Ah mince. Enfin, j'ai sa en fait, j'ai sa tête dans une vitrine, mais je peux pas la prendre. D'accord. Moi aussi, j'ai pareil, j'ai les têtes dans les vitrines, comme je disais tout à l'heure. Tu peux me faire redescendre à la limite? Parce qu'en Peut-être, haut, ouais. j'ai plus rien, il n'y a pas plus d'infos. Ok. Bah ouais, je vais te faire redescendre. Je vais te faire descendre, tu vois. Tu vas voir. Yes. Tu peux me faire descendre. Parfait. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'effectivement, si on sait pas où. Qui sont les derniers là. Je vais voir à quoi ça ressemble, toi. En plus, est-ce que j'ai la place de mettre tout le monde? Sais Ah qu'il y a bah un oui, symbole si là. ça va le faire. Ouais, c'est le symbole de la résistance, mais je sais pas, il est pas sur les mannequins. Ouais, c'est bizarre. Aucun mannequin qui a ça. Ah, il y a une tête qui est cassée. Il y a un autre bras là. Mais ils sont forcément bien placés. On sait que le symbole avec les rouages là, c'est forcément l'évêque qui est dans la résistance. Peut-être aider. C'est lui. Lui, il est dans la résistance.
pas plus d'infos après. Ah mais attends, si c'est forcément que c'est une rousse en fait qui est là. Comme c'était indiqué sur dans la vitrine, je pense. Et donc lui, faut que je l'échange avec elle parce que les femmes doivent être avec les femmes. Ouais, ça faut changer aussi, il y a un mec et une fille là. Oui, oui, c'est parce que je viens de les décaler du coup. Mais du coup là je me retrouve avec un homme et une femme là, donc par exemple on peut changer comme ça. Ah, attends. Ça, c'est un indice, ça. Regarde la vitrine. On voit ta rousse, mec avec chapeau, machin. Le monocle. Et il y a un évêque qui est, effectivement, qui est pété. Oui. Est-ce que ça ressemble à une des... Non, le haut, là, ça ressemble pas... Est-ce que ça ressemble peut-être aux endroits... C'est le seul qu'on n'a pas, en fait, parce qu'on a tous les autres. Moi, j'ai pas vu les maçons. Et j'ai pas vu les roues crantées. Mais en fait, je pense que c'est... Ouais, les roues crantées, c'est peut-être la résistance dans ce cas-là. Non, 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 c'est une guilde. Moi, je pense que ça, c'était les roues crantées. Parce que l'évêque... Ouais, mais alors, là, c'est quoi le rapport entre les couleurs, là, et la résistance, là, la couleur de le symbole de la résistance? Je sais pas. Pour moi, c'est le symbole qui doit nous donner le truc, mais... Ouais, pas mais les couleurs. Ils ont pas les symboles. Ils ont pas de couleur non plus que ça. Je comprends pas, ouais, pourquoi il y a pas un symbole obvious ou quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est surtout que là, il faut qu'on devine à quelle guilde ils appartiennent en fait. Regarde qui j'ai pris. Ah, je sais. Ok, j'ai compris. Comment tu sais? Je pense que j'ai compris. Maçon. Ok, donc tu vois, tous ceux qui sont là, c'est des maçons, je pense, parce que la fille rousse, je l'ai mise sur l'emplacement roi, parce que c'était la seule qui correspondait, et l'emplacement roi, c'est maçon. Et donc, il y a des chances que le mec, donc le monocle calvitie, c'est maçon aussi, et que le moustache-chapeau, c'est maçon aussi. Ok. Donc là, par exemple, lui, il est pas bien placé. Moustache chapeau lui il est bien. Par contre c'est calvitie. Il est où calvitie? Ah calvitie il est là. Ok. Ah mais attends ça c'est... Non ça c'est des femmes ouais, c'est normal. Elle par contre on sait pas. Est-ce qu'on peut savoir? Femme, femme, homme, 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 femme, 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 femme. Le bordel. C'est moi. On n'est pas sûr, hein. Il y a vraiment ce côté... La résistance, il y en a un où on est sûr. C'est celui qui est assis, qui manque un bras. Comment tu sais que c'est lui? Parce que il a... c'est le seul évêque de cette guilde-là. Ah, je crois que j'ai peut-être une idée. Est-ce qu'ils ont pas tous... Mais toutes les guildes ont... Il y a un évêque, hein Oui, non, je sais, mais c'est dans cette guilde-là. Dans la guilde... rouage. Ouais. C'est le seul évêque. Mais dans toutes les guildes, il y a un seul évêque. Oui, je sais, il y a un seul évêque, mais là, comme ils disent au-dessus, au-dessus, c'est des indices de qui. Ah oui, tu veux dire, oui, d'accord. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Ok, oui, donc, d'accord. Lui, je vois ce que tu veux dire. Et les autres, on sait pas. Ok. Dans ce cas-là, est-ce que peut-être la couleur aurait un lien? Ah bah oui, maçon rouge, c'est la fille rousse qui est de la résistance. Pourquoi?
Pourquoi? Bah parce que en plus son siège est rouge. Ouais, mais les autres, il n'y a pas de siège bleu ou jaune, tu vois, il n'y a pas de siège Bah non, jaune. mais sauf que regarde, jaune, ça va être la blonde. Et bleu. Oula. Bleu, j'en sais rien. C'est C'est un là peu des. tiré par les cheveux. Ce qui me vient de ces symboles là, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a. Il veut forcément dire quelque chose ce symbole là. Et puis les couleurs, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que ces énigmes à la con là? Qu'est-ce que c'est que cette énigme de merde? Qui a fait ça? Ou alors, on n'a pas toutes les infos, mais. Ça me paraît étrange. En effet, il y a ce symbole chelou là. Qu'ils ont tous. Donc les autres, c'est forcément pas des évêques dans la résistance. Les autres sont tous là. Le coche. Comment? Le coche. Le coche? Le cauchemar. Oui, tout à fait. C'est un cauchemar, je comprends pas. Pourquoi? C'est pas clair. Alors On a pourquoi c'est raté pas quelque clair, ça chose? faut demander. Vas-y, envoie-moi en haut, je vais faire le tour aussi. Vas-y, va faire le tour. Tu vas voir. Je regarde les choses sous un autre angle. Oui, tu as raison. C'est bon. Ici, c'est de la daube. C'est de la daube. Tout est là, il n'y a que la salle d'un côté qui est intéressant. Ok. Tout le reste est vide. Enfin, tu peux regarder, hein, j'ai peut-être raté quelque chose. Ah bah, tu me donnes que je vais regarder. Tu perds la confiance, quoi. Il sert à quoi ce levier? Pas le bouger. Non, je l'ai fait tout à l'heure, c'est ce qui t'a ouvert la porte. Le gros levier là au milieu. Ah! What do you see? Attends. D'accord. Il y a un truc qui dit que le D'accord. spectacle commencera que quand c'est. Ouais. Quand ils seront à Non, leur mais parce que place. je vois les têtes dans les vitrines, mais je vois aussi qu'il y a les tableaux là derrière, avec les portraits Ouais, des j'ai gens. vu, mais ils sont cachés un peu. J'ai l'impression que Ouais, c'est mais une on deuxième voit un partie de peu quand l'énigme. même, hein. Je pense que c'est une autre partie de l'énigme, ça doit être pour après. Mais Ça va pas. ouais, je sais pas. Parce que dans les trucs où il y a le spectacle commencera, on dirait des lumières qui sont censées peut-être s'allumer au fur et à mesure Ouais, qu'on mais les ça, je place pense que bien. c'est ça pour le coup. Je pense que c'est vraiment la suite. Il y aura sans doute des choses à faire une fois qu'on les aura bien placées. Parce qu'on sait aussi là que. Mais attends, mais ça n'a pas de sens par rapport à ce que j'ai vu en bas. Parce qu'il y a une Dis-moi. vitrine avec calvitie, monocle et moustache haute forme dans le même Oui. truc, mais sauf Oui. que en bas, j'ai une information qui est un peu contradictoire. Qu'est-ce qu'ils disent en bas? Bah en En bas, bas, il y a écrit moustache monocle, calvitie. monocle calvitie, il est avec Il y je sais avait plus d'autres qui. gens, oui. Et ça Il y avait correspond la pas guilde aux après. guildes qui vont bien. En fait, il y a le côté. Pas un symbole. Ah, par contre, attends. J'avais pas fait gaffe. Mais dans la vitrine, ils sont assis sur un banc. Ils doivent être assis sur le même banc. Ah oui? Ouais. Ah, intéressant.
Attends, c'est monocle avec... Monocle à gauche et comme haute forme moustache bouc à droite. Ok. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Je vais changer avec qui? Avec toi. Tiens. Sachant que... voilà. Comment il s'appelle Je vais changer les deux. Okay. Normalement, ils sont assis ensemble et il est toujours maçon et l'autre, c'était un maçon aussi. Ok, ok. Donc ces deux-là sont censés être bons. T'as pas une lumière qui s'est allumée ou quoi? Tu sais, c'est les deux-là, là. Ouais, je vois. Non, rien s'est allumé ici. Comment on a su de quelle guilde ils étaient, eux? Qui ça? Ah oui, celui-là, on sait à cause d'en bas que c'est les maçons, forcément. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est dans la même guilde que la princesse. C'est ça, ok. Qui est assise sur une place de maçon. Et on sait que la princesse, c'est la princesse parce qu'elle est dans la vitrine. Ça, c'est maçon. Et il peut pas être devant, donc ça... Donc lui, il est forcément bien placé aussi. Les maçons sont censés, normalement, forcément être bien placés. Tous les maçons. Tous les maçons sont bien placés. Au niveau des engrenages, il y a lui. Je crois que c'est tout. Oui, non, il y a elle. Mais du coup, c'est une femme aussi, donc elle est forcément bien placée. Donc les engrenages sont censés être bien placés. Qu'est-ce qu'on aurait mal placé? Au niveau des fioles, voyons voir. Toi, t'es forcément là. Et après, il y a ça. Et c'est tout. Est-ce que les fioles, on était sûr, elles étaient en haut, les fioles, non? Ouais, c'est l'évêque... C'est l'évêque bouclé. C'est ça. Et la fille avec un chignon. Ouais, c'est ça. Donc les fioles, c'est censé être bon. Normalement, ça peut que être ça. Et après, il y a... J'aurais pas inversé, peut-être, Parce qu'en fait, il y a deux évêques... qui se ressemblent un peu, il y en a une bouclée et une blonde, et je crois que j'ai mis la blonde dans les fioles. Essaie d'interchanger la blonde et l'autre, ouais. Ah, c'est bon, c'était ça. Putain. Bravo. Okay. C'est quoi ce bruit? Donc là, la grille s'est enlevée, je vois tous les portraits. Ok. What do we do with the portrait? Ah, je peux. Tu sais, les trucs qui sont à l'arrière des sièges là. Je peux mettre la même chose sur les portraits. Ah oui, moi ça les active sur les. Ok. Ah ok, et là faut dire qu'il y a de la résistance. Je pense. Parce que en fait c'est ça le symbole. On savait. Alors, que c'est. On savait que lui non. De... Ouais lui c'est non. Ouais. Non c'est pas lui, c'est l'autre, c'est celui-là. Engrenage, ouais celui-là voilà, celui c'est sûr. Donc on sait que elle l'est pas forcément, parce qu'elle pourrait pas être assise derrière. Si on sait que elle l'est pas, c'est-à-dire que c'est l'autre personne forgeron l'est. Donc ça doit être lui là, ici. Avec sa banane et son monocle. Ok, donc ça c'est bon. Donc ça veut dire que elle l'est pas, et là ça l'est pas non plus. Donc les deux autres ils sont forcément. Ce que j'ai dit, pourquoi ce serait pas la princesse avec le chapeau vert, tu vois? La princesse de quoi? Le chapeau vert. Non, en fait, la logique que j'ai suivie, ouais. C'est lui, on sait qu'il l'est, sûr. Mm-hmm. Et on sait qu'ils sont pas assis l'un derrière l'autre. Donc on sait qu'elle, elle l'est pas. Ouais. Donc dans les forgerons, il ne reste plus qu'une seule personne qui peut l'être et il n'y a plus que lui. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, tu penses qu'il y en a un par guilde? Bah, en l'occurrence, dans les tableaux, tu sais, il y a un tableau récapitulatif avec qui il y a. On sait qu'il y en a un chez les forgerons, oui, et c'est pas un évêque. Ok. On sait que les autres évêques, ils sont clean. Donc il en reste deux qui sont quelque part par là. Soit c'est elle et lui. Enfin, soit c'est Calvici Monocle avec la fille au chignon. Soit c'est la fille au chapeau vert avec De toute façon, maçon, ça nous laisse que le gars du fond, en fait. Hein. Parce oui, que si c'est pas la fille en rouge, c'est forcément le mec du fond. Donc c'est Calvici Man. Ouais, vas-y, c'est Calvici. Et du coup, si c'est Calvici, c'est la fille au chignon. C'est la fille au chignon, et ce sera tout. Ouais. Fille au chignon, elle est où? Elle est celle. Voilà. Oui. Ah, et là je suis enfermé. Ah bah bravo. Moi je vais où? Par contre j'ai une pièce qui s'est ouverte. Alors...
J'ai des putains de trucs de musique. Je peux pas t'aider, mais je peux déplacer les Mais c'est trucs. des notes cheloues, hein. Je t'avoue, Alors j'ai des lettres. jamais vu de notes comme ça. Des Alors, lettres, moi sinon j'ai des. j'ai des lettres et des correspondances avec les fameuses notes, même si les notes sont très Ouais. cheloues. Alors moi je peux pas toucher aux notes cheloues, mais je peux toucher les lettres. Ok. Ça va être un code. Ok. Et moi j'ai des comment on appelle ça? Ah attends, moi aussi j'ai des correspondances. Et j'ai des partitions, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Parce que moi j'ai trois lettres, enfin j'ai quatre lettres qui correspondent à des notes, même si la première je l'ai pas parce que c'est déchiré. Mais j'ai Ouais, moi un. aussi j'en ai Je quatre, sais mais pas j'ai pas si la c'est un dernière. G ou un O, on dirait plutôt un G. G, A et B. Moi Ce qui j'ai serait C, D, E. logique parce que c'est les clés, non? Ça Moi serait j'ai les F, G. Moi, correspondances. ça serait F, G, A, B, je pense, parce que c'est la logique. Tu penses que c'est F, G, A, B? Mais pourquoi? Bah, parce que c'est les clés, tu sais, en anglais. Quand les. Comment dire. T'es en. Je sais pas. C'est la logique. C'est Bah, que A, des B, clés F, en G. anglais, hein. Mais. Parce que ça va de A à G, les notes en anglais. Ouais, mais du coup, si j'ai A, B, tu vois, dans l'ordre, et puis que avant G, c'est F, quoi. Quel est ce raisonnement étrange? Bah, je sais pas, c'est dans l'ordre. Après, j'ai des partitions et je pense que je peux les mettre. Faut que je les mette dans l'ordre. J'en ai 6 et j'ai 6 emplacements. Donc, je sais pas si toi t'as. Je sais pas ce que t'as d'autre. Peut-être qu'il faut que je joue une partition. Vas-y. Si tu Dis-moi, t'as peux. quoi comme partition? C'est quoi les notes dessus? Qu'on puisse faire les lettres après. Il y a trop de notes? Si c'est Bah, trop, non, c'est non, quoi c'est pas ça? ça, c'est juste que c'est pour les décrire. Je suis en train de réfléchir à comment je t'ai décrit. Alors, bon, la première. Alors, j'ai rien en 1. Et en 2, j'ai barre diagonale avec un rond en haut à droite qui va vers un Je l'ai Z. pas celle-ci. Ensuite, la suivante, ça commence sur le 1. J'ai le Z qui donne vers Ça a l'air compliqué tout ça. un demi-carré avec Ouh là là. deux petits traits sur la barre du haut. Genre, Oui, j'ai ça. Ça, je l'ai. C'est un E. c'est un E. Voilà. Ça donne pas plus D'accord. d'infos que ça. D'accord. D'accord. Ah, attends, j'en ai Oui. un qui a un tampon, c'est marqué 1. Ah bah c'est le premier alors qu'il faut jouer peut-être. Ah oui, d'ailleurs, j'ai des titres aussi sur les trucs qui s'appellent Allard, The Clear. D'accord. Et en 1, 2, 3, 4, j'ai 4 notes. Alors, premier, c'est. Alors moi il y a marqué, j'ai un petit mot aussi qui met Every composer changed the hymn to their liking when it followed the original composer Allard. Donc faut refaire celle de Allard, je pense. Ok. Grave. Tu as celle de Allard? Bah, je l'ai mise là en première position. Ok. Peut-être Je suis qu'il en faut que je train de la joue. regarder. Il y a combien de notes sur celle de Allard? Je sais pas, 4. Ah bah c'est parfait, moi j'ai besoin de 4 notes justement. Alors la première, c'est. Comment la décrire? C'est deux barres verticales. Celle de droite, c'est comme une note classique. Il y a, tu sais, une noire en fait. Et puis à gauche, il y a une barre en haut et un petit crochet en bas. J'ai pas ça. Moi j'ai que 3 notes en bas qui sont traduites. Mais Après celle-là, peut-être c'est toi le tu as G. les. Celle-là, c'est le G. La première c'est un G. Ouais. Ok, bah commençons par le G. J'ai fait le G. Ok. Ok. Ensuite, c'est un A. Le A. Après, c'est le Z, tu sais, le. Juste un Z. Bah, c'est le. Ouais, c'est ça, c'est un Z, ouais. J'ai un Z, c'est le C. Vas-y, fais un C alors. Et ensuite, c'est un B. Un B. Ah, ça a activé quelque chose. T'entends la musique? Ouais. On s'enjaille, mais je vois On rien. s'enjaille. J'espère qu'il ne faut Il se pas l'oreille passe absolue pour faire cette énigme. rien. Maintenant, vous avez bien entendu, vous allez tout refaire.
C'est ça. Voilà. Et après, ça dit chaque... après, tu m'as dit c'est chaque composé. Ouais, parce qu'en fait, après, moi, j'ai des transformations. Si tu veux, les autres. Les compo... Ouais, ils disent les tout trucs est, tout suivants, part de c'est. celle-ci. C'est ça, voilà. Et en fait, il va y avoir des transformations à faire. Par contre, je sais pas laquelle tu veux. J'ai Falco, Wolfhard, Nank. J'ai pas d'idée, Id. j'ai pas plus Et Id. d'infos. Bah, moi, il est marqué que ça commence par Id, je pense. Ah. J'ai Id, The Elder et The Youngster. The Et, Younger. The Elder, du coup, j'ai le plus vieux, non? Hello, Dima. Hello, Dima! Alors, The Elder, il transforme la deuxième en... Ah bah, c'est la fameuse lettre que je sais pas. Celle que je disais, c'était un F. Donc ça ferait... Qui ressemble à un espèce de. Attends, c'est le. Oui, tu disais l'espèce de demi-carré avec deux trucs en haut? Non, 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 c'est une barre en diagonale avec une noire en haut à droite. Mais Ah non, moi je l'ai j'ai la pas. correspondance, mais elle est déchirée. Ah ok, bah c'est pas le F parce que moi j'ai la correspondance du F mais elle est déchirée. Ah d'accord. Donc c'est Bah, l'autre. qu'est-ce qui nous manque alors? C'est Moi le j'ai E alors qui nous manque. CDEF. Ah non, t'as C, D, E, F. Moi j'ai A, B, G. On a tout B, alors. C, D. Et t'as pas la double barre diagonale avec le rond en haut à gauche? En haut à droite, pardon. Non, moi j'ai un Z. Sinon j'ai un demi-soupir mais avec un deuxième rond. Donc c'est un, en gros c'est deux ronds et un petit une espèce de début de Z. Et sinon j'ai le carré avec les deux barres parallèles en haut, comme tu disais, enfin le demi-carré là. Ok. Parce que là, en tout cas, celle-ci, elle transforme. Du coup, ça nous ferait du. G, lettre inconnue. Ça doit être F, hein. Disons que c'est F. G, G, lettre F. inconnue. Ensuite, c'était quoi le Z? Pour toi, c'était C, non? C. Et Attends, ensuite, je B. refais. G, G, F, F, C, B. C. C'était ça. Ma Comment logique c'était avait... cela? Ma logique était bonne. La logique était bonne. Je dirais qu'après, c'est le Youngster, du C'est coup. déchiré. Bah merci, Captain Obvious. Merci Barasoul. Quelle musique de ouf, putain. dab. Oui. Ok, c'était bon. Alors ensuite, laquelle je joue? Enfin, laquelle on joue? Bah, The Elder. Là, The c'était Youngster, pardon. le Elder, donc on met le Younger. Le Ok, Younger. alors là, il échange la 1 et la 3, donc, par rapport à l'original, donc ça nous Oui, mais ferait... par rapport à la deuxième, du coup. Parce que j'imagine que ça fait une transformation à la fois. Oh... Bah, par rapport... Ah oui. Mais du coup, ça change pas la lettre qu'on a modifiée juste avant, alors. Non, non, mais du coup, dis-moi l'ordre, ça ferait. Du coup, ça nous fait C, F, C, A... F, B, A. CFAB. Big Brain. Ah, c'était pas ça. Ah, Alors non, attends. c'était pas ça. Là, en troisième, c'était le. Je t'ai dit quoi? Ouais, c'est ça. Le Z, c'était le C. Ouais. Ensuite, la lettre qu'on connaissait pas qui était déchirée, c'était le F que t'as joué juste avant, là, en deuxième. Ouais. Ensuite, c'est le 1, donc le 1 au début, c'était le A. Ah non, j'ai rien dit, c'était le G. Ah merde, je t'ai dit une connerie, CFGB. Ah. Ouais, c'était pas ça la musique, on a compris. Alors, il faut peut-être pas prendre la modification, la dernière modif, il faut peut-être repartir de l'original. C'est-à-dire. Ah, parce qu'il te dit juste la transformation? Bah moi j'ai en fait je mets les transfos mais il faut peut-être pas garder en mémoire celle qu'on a fait juste avant tu vois. Si, pour moi, il faut garder en mémoire. Parce qu'ils disent ça a Bah changé et alors dans après, ce cas-là c'est. Moi, c'est j'ai pas un dans ce début. cas-là c'est pas The Younger alors qu'il faut qu'on joue. Ouais, il faut qu'on en mette un autre, peut-être. J'ai Wolf, j'ai The Modern, The Talented et The Critique. T'as Oui. aucune indication sur l'ordre des trucs? Je n'ai aucune indication. Je ne sais Il a rien. changé pour ça. Alors attends, peut-être. Ah, je pense que ça doit être celle-là. S'il y a une logique, effectivement, de qui dit que en fait, ouais, si ça doit être ça. Ok. Alors, ça va nous faire du. Ça va nous faire
G, C, C. Ah, et alors la dernière, je ne l'ai pas. C'est deux points suivis Oui, c'est d'un D. T, le D. Donc ça D. va faire, j'ai dit quoi? C, G, non. GG, c'est D. Ça va faire C. Non. Si, non, G, bah non, ça commence par G. G, C, C, D. G, C, C, D. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Hello Camari, ça va très bien toi? Ok, je comprends mieux la logique du truc. À la suite, ça va être facile. Ah lourd. Hello Camari. Là, on se Ça va retrouve bien. avec ça, 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 ça. Est-ce qu'on en a une qui colle? Celle-là, elle colle. C'est forcément celle-là. On disait que ça colle. Bah, en fait, j'ai quatre symboles de base. Ok. Oui. Ensuite, j'en ai mis un deuxième qui change le deuxième. Oui. Du coup, si mentalement je change la liste des quatre symboles, la suivante, c'est forcément celle qui repart du symbole précédent et qui change, qui en met un autre à la place, tu vois. Donc en fait, il faut que mentalement j'ai la liste des symboles qui s'actualise. Et si tu veux, c'est une suite de Ah transformation. oui, Mais d'accord. pour que la transformation fonctionne, il faut que tu repartes de celle qui avait D'accord, déjà d'accord, d'accord. les Ah, j'ai symboles compris, d'avant. comme des dominos. C'est ça. Donc ça va nous faire toujours G pour commencer. Ensuite, c'est F. Ensuite, ça va être C. Et ensuite, C encore. G, F, C, C. Waouh, ça a l'air d'être Incroyable. ça. Et alors là, je pense que ça va avoir le petit twist. Petite interlude Parce que, musicale qui fait ouais, plaisir. c'est ça. Donc là, ça va être celle-ci, je pense. On a dit, c'était GFCC, donc ça va nous faire CFGC. CFGC? 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 J'essaye. Incroyable. Et la Je me mets en soirée dernière. ces musiques. La dernière, ça va nous faire. Donc, ça, les premières et dernières qui vont changer. Donc, on a dit avant, c'était CFGC, c'est ça qu'on a fait. Alors, là, j'ai besoin, effectivement, de la procédure qu'on avait parlé tout à l'heure, D. le D. Donc, ça va faire D, FG, A, DFGA. Non, t'es C'est pas pas ça? ta. Attends, merde. Laquelle on a parlé tout à l'heure? Celle avec deux points et après un zgui? C'est non, c'est le demi-carré avec les deux barres Ah, c'est verticales un sur la E. barre. C'est un Ah E alors. bah E F G E F G A. Ah! Merde, y a pas la Ça chanson. fait pas la musique là. Ok. Ah, si, c'est Ah, bon. si. Les mis de bois, hein. On kiffe la musique. Waouh! Putain! Je suis libre! Dobby est libre! Dobby est libre! Dobby a une chaussette! Oh, je peux grimper en haut de l'orgue! Et il faut que tu me fasses descendre, espèce de trou de balle. Non! D'accord.
C'est bien parce que je peux pas m'en sortir sans toi. Ah, je peux descendre. Ah bah voilà. Je me suis cassé deux chevilles. Eh viens, viens me prendre ta manivelle. Tu es prêt? Ouais, bro. Nous allons tourner la manivelle. Oh, ça fait tomber les sièges. On dirait qu'ils vont commencer un gros morceau de métal. J'attends la batterie. Boum, boum, boum. Oh là là, tellement épique. Qu'est-ce que c'est? Une grosse cerise. Un canon. Oh bah c'était ça les plans que je voyais tout à l'heure dont je te parlais. C'est, on dirait une lunette, quasiment un télescope presque. Ouais, c'est ça, une espèce de télescope. Oh. Oh, on peut bouger la tête pour la scène. Incre. 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 Je suis époustouflé. Oui, moi aussi. Oui, Tux. Ah, tu es sorti par la fenêtre? Ah non, par la porte. On n'a pas fini ce soir, je pense. Non, clairement pas. Ce que j'ai compris, il y a encore trois parties. Ok, bah dans ce cas, je te propose, on s'arrête là. Oui. C'est la faute à toi. Pour s'arrêter. À lui. Bah ça va pour une fois que c'est moi. C'est vrai, c'est la faute à lui. Attends, t'as des trucs bizarres sur le bras. Arrête de bouger. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as une main squelettique qui s'est... qui saisit ton bras et il y a des écrits mais c'est parce que bizarres. Oh là là, on me tout de suite on me hein, ça va hein, me cacher. On veut me mettre à l'écart. Tu me dis pas ce que t'as j'ai la gangrène quoi, voilà voilà, bah voilà, je l'ai dit. Okay. Bah, je l'ai pas moi sur mon bras ça. Non, toi tu l'as pas, mais moi je l'ai, la gangrène. C'est une drôle de gangrène quand même. Bah, ça ressemble à ça, la gangrène. D'accord. Ah, c'est une vrai, grosse en fait, main comme ça qui arrive et qui fait hop, la gangrène. Et voilà. Et après, tu peux plus l'enlever. C'est pas malin. Pour se faire opérer, pour enlever la grosse main. Non, en vrai, je sais pas ce que c'est très drôle. Mais c'est ça depuis quand? Mais je sais pas, depuis là tout de suite. D'accord. Et bien effectivement, merci à tous d'être venus sur ce stream fort sympathique. Donc effectivement, à la fin, c'était pas pour ce soir. Je sais pas combien de temps il nous reste encore de jeu, mais tu dis qu'il reste encore trois parties. Il reste trois parties. Il disait faut réunir les trucs en trois parties pour enfin mettre l'objet oui, qu'on a vu. Et hop, ouais, mais ça pourrait très bien être genre deux énigmes, tu vois. Ou trois énigmes. Il y a au moins trois énigmes, étant donné qu'il y a trois parties. Effectivement. Je pense qu'il y a trois lieux. Ouais. On a fait là. Mais tu vois, genre rien que sur la partie précédente, je sais pas combien de lieux on a fait, mais c'est vrai. On en a fait beaucoup, hein, donc ça peut aller très vite. Hein. Là, on en a pas fait beaucoup parce que les énigmes, celle des places, là, nous a un peu cassé les couilles. Mais... Je pense qu'il y a encore deux ou trois épisodes. 4-6 heures, hein, Eddie Parasoul. Ouais, non, mais en speedrun, attends, t'as pas vu. Speedrun Parasoul.
10 heures pour faire le jeu. Ah bah s'il nous reste 4-6 heures, ça va faire beaucoup moins de 10 heures. Hein. S'il nous reste 4-6 heures, en gros, ça veut dire qu'on a fait 7-8 heures quoi, de jeu dessus. Enfin, bref. De toute façon, Parasu, on peut pas lui faire confiance. On psydrun, quoi. On seedrun. On psydrun. Bah merci à tous pour votre venue. Et puis j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Suite et peut-être bientôt fin du jeu. A priori, pas tout de suite, mais ça va venir. Who knows? Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez ceci. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Des bisous. À la revoyure. T'es ridicule les autres. Au revoir.